Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Borderlands Pre-Sequel sur PC. La dernière fois, on s'est arrêté ici après avoir pris la quête œil pour œil, couper le laser de la station Helios. Entre temps, j'ai fait quelques quêtes annexes et c'est tout ce que j'ai fait. Enfin, oui, c'est tout ce que j'ai fait entre temps. On va tout de suite continuer en allant à notre point de mission. J'espère que vous allez bien, que vous allez bien. Bon, oui. Alors. Donc j'ai fait le plein de munitions, etc. Hein, pour avancer jusqu'au point. Non. Il y a un moyen plus rapide pour y aller, c'est par là. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis encore jamais allé dans cette partie de cette zone. Hein. Centre de visée d'Helios. L'œil est juste là. Mais ça m'a l'air un peu... Lancez le verrouillage! Activez le champ de force! Et flûte. Tu me fais vraiment chier, toi. Moxie, t'as une idée? Il doit y avoir un réacteur à fusion pas loin qui alimente le champ de force. Si tu arrives à le couper, le champ devrait disparaître. Putain, non! J'aurais essayé... Alors. Voilà. Très bien, c'est un mini-réacteur à fusion HY-26. Pour le désactiver, il va falloir endommager le refroidisseur bleu, mais surtout pas les charges thermiques rouges. Hyper facile. D'après les plans, il devrait y en avoir trois autres du même type. Donnez encore une petite fessée à deux d'entre eux, et vous devriez pouvoir atteindre l'œil pour le désactiver. Voilà. Donc je sais pas exactement on est où dans le jeu, hein. Et en voyant le nom des quêtes... Ah non, je sais vraiment pas. Ah, on doit aller chercher, d'accord. Bon, pas beau, hein. Est-ce que je veux passer par là? Oui. Il est là. On va prendre cette arme là. Très puissante d'ailleurs cette arme là. Merde. Ah non. On doit faire le tour. Bon, je passe. C'est pas lui. Voilà. Je peux pas passer par là? Ça a pas l'air d'être ici, hein. Ouais bah non, c'est pas ici. Oula oula. L'exosquelette il va bouger. Voilà. Je vois vraiment pas par où passer. Ah. Peut-être en faisant le tour par ici. Cœur énergétique, bêta. Non mais vas-y. Je suis épuisé, ça m'énerve pas, il y a une sorte de latence quand je lance l'enregistrement. Qui m'empêche de bien viser. Et ça m'embête. Hein. Vous le voyez sûrement pas, mais moi je le vois bien. Ah,
Bon bah. On peut remonter par là. C'est pour ça que je retombe. Ah, je suis vraiment idiot moi. Je fais vraiment n'importe quoi. Bon, reprenons. Oui, j'ai beaucoup d'argent, je sais. Bah ça va aider en plus. L'alpha ici c'est ça, c'est ça. Vraiment je pensais utiliser plus. Principal. Il sera plus difficile à détruire, alors prépare-toi à faire un peu plus d'efforts. Allez. Oh là là. Voilà. Le dernier se trouve là-bas, c'est ça. C'est le gros réacteur. Accède au système et il commencera à drainer l'alimentation du champ de force. Mais fais attention. Quelque chose me dit que ça va être... Drainage de l'alimentation du champ de force. Ok, tiens bon. Ce réacteur a une très grande capacité. Une fois vidé, le champ de force disparaîtra. Vous n'atteindrez jamais le noyau du laser. Soldats, tirez! Ça perd de la puissance. Tenez bon jusqu'à ce qu'il soit désactivé. Et ne laissez pas le relancer. Tout ce que t'as. Du bouclier. Ça prend beaucoup trop longtemps. Lilith, Roland, les relais de surtension doivent alimenter le réacteur. Détruisez-les. J'ai rien compris à ce que tu racontes, mais on va tirer sur des trucs. Un soldat essaie de relancer le champ de force. C'est terminé. Jette une grenade. Bon. Je suis invincible. On va prendre ça, c'est plus rapide. Programme gun activé. S'en recharge. Attendez, il y a juste, je vais changer un peu ma sensibilité parce que je crois que c'est ça. Voilà. T'as un peu lagué plus.
plus. Je trouve pas l'alimentation des champs de sécurité. Ce truc a l'air important. Je vais le faire sauter. Je suis génial. Ah, mais non. Bon, allez. Là, je suis mort. La Légion oubliée a atteint le réacteur. On peut pas m'arrêter. Le colonel a dit que c'était une cible. La Légion oubliée a interrompu le drainage. Il faut que tu relances le processus. N'est-ce pas les hommes de Zarpedon à c'est quoi, c'est quoi cette recharge? La recharge la plus longue au monde. Mais vas-y, hop, t'apparaît devant. Oh là 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 là. C'est vraiment dur. Hein. Alimentation coupée. Champ de force désactivé. La voie est libre pour accéder au laser. J'arrive. Allez, go. L'œil d'Helios, c'est parti. Le noyau du laser nous attend. En avant. Je sens qu'il va y avoir un truc qui va pas bien se passer. Comme d'habitude. Santé et bouclier pour toi. Nina te revoit. Ça. Voilà. Bon bah, va falloir qu'on passe par là. Sans déconner. C'est une convergence électrique, blablabla, on s'en fout. Attends juste que le laser tire avant de passer. Ça videra temporairement les réserves d'énergie et ça coupera toute l'électricité. Attends, attends. Vas-y, fonce. Ça coupe le son quand il parle, ça c'est chiant. Oh bon sang, je déteste ce truc. Ce serait mieux si le laser tournait sans, ou s'il n'avait pas eu l'idée de construire ça comme un piège géant. Passe le mot. Munitions. Fils de... Oh, mais bien entendu, c'est verrouillé de l'autre côté. Merci, Zarpedon. Va falloir qu'on fasse tout un détour. On va prendre l'ascenseur et passer par en haut. Faut juste que je règle un truc dans l'audio. 100. Je m'occupe des soldats. Je te laisse détruire l'exosquelette aux Zarpedon. Tu as trop peur pour m'affronter toi-même, Jack. Oh non, presque. Je crois que je l'ai tué en plus, mais j'ai pas pu régénérer. Ah, bien sûr. Voilà.
Voilà, c'est bien ce que je disais. Allez contrôler. Est-ce que je vais te tuer? C'est la bonne question. C'était pas si dur. Ascensionner, c'est quoi ascensionner? Voilà. Attends un peu. J'en ai pas fini avec elle. Peu importe ce qui arrive aujourd'hui, ta chute se prépare. Ouais, super. Où est l'arche? Dissimulée sous un amas de grâce chimique. J'ai vu ce qu'elle renferme. Tu ne peux Attends, pas... Tu as vu l'intérieur? L'arche est ouverte? Tu dois faire demi-tour. La puissance contenue dans l'arche va déclencher une réaction en chaîne qui... Tu m'emmerdes. Donc l'arche est déjà ouverte? Cool. Bon, maintenant on va s'occuper du noyau du laser. Ok. Oh. Allez, c'est parti pour le noyau du laser. On recharge. Par là. Devant, c'est ouvert. Ah, nice les coffres. Ah, j'ai bien fait de rester, je les avais pas vus. Alors, on prend tout. Si je sais que je vais rien utiliser, mais c'est juste pour tout revendre. On sait jamais s'il y a des armes signatures. Voilà. Allez, c'est parti. N'entre pas dans le canon du laser quand il tire. Enfin, ça va de soi, mais je précise quand même. J'attends qu'il tire. Bon, non, c'est bon. Ouais. Là, je peux pas aller là. C'est ici que la magie opère. Succès incollable. Ah ouais, juste ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qui permet à l'œil d'Hélios de fonctionner. C'est le noyau de toute l'arme. Comment cette chose peut bien générer autant de puissance? Viens ici, je vais te montrer. Je montre comment lui? Ah, par là. En reprenant le contrôle de ce bijou, on pourrait anéantir des camps de bandits entiers sans aucun dommage collatéral. Oh, ça fait rêver, pas vrai? Ouais, ça a l'air génial. La voilà. Et Pupus, tu es là-dedans? Ah, sa fille. Ah non, c'est pas sa fille. C'est ça. L'œil d'Hélios. Enfin, ce serait plutôt l'œil du destructeur. La créature qui est sortie de l'arche. Mais je l'ai connecté à mon laser pour démultiplier sa puissance. Parce que je le vaux bien. T'as transformé l'œil du destructeur en arme?
Ça en était déjà une comme tous les vestiges iridiens. J'ai juste compris comment on pouvait l'utiliser. Bon, bref, comment on désactive ce truc? Avec prudence. Même sans l'œil bizarre, ce type de réacteur est hautement explosif. Tu l'alimentes avec un truc qui amplifie sa puissance, pas vrai? Ah, ce qui reste une fois que l'iridium est raffiné, oui. Les scientifiques appellent ça du slag. Très bien. Fais exactement ce que je te dis et tout ira bien. Bascule 3 des séquenceurs de flux sur leur position principale et inverse le différentiel d'alimentation. Appuie sur le bidule jusqu'à ce que tu vois du violet et puis rappuie sur le bidule. Compris. Bien sûr de toi. L'œil réagit. Moxie, je donne juste à l'œil un tout petit peu de slag à la fois. T'es vraiment sûr que... L'œil ne sentira rien. Fais-moi confiance, trésor. C'est ça, je sens. Je sais ce qui va se passer, mais bon. Attends, le troisième. Moxie, l'œil est tout fou. Si ton slag alimente le laser, on doit en réinjecter le plus possible dans l'œil. En augmentant la puissance, le système de sécurité se mettra en marche et on pourra tout couper. L'œil n'appréciera pas trop, mais il survivra à trésor. Je veux bien, moi, mais... Comment j'en monte ? Ok, mais... Je veux pas monter, moi. Ah, par ici, d'accord. Je me casse. Attention. Instabilité spatio-temporelle détectée. Mode défensif activé. Tu vois? Qu'est-ce que je disais? Le système de sécurité va nous permettre de rebooter le laser. Et il sera à toi. C'est en haut ou pas? Ah, je peux passer par ici aussi. C'est en haut. J'ai bien fait de monter. Stop! Pas touche à ce bouton! Y'a un problème? Si l'œil recommence à s'agiter pendant le reboot, j'ai vraiment pas envie d'être dans les parages. Avec les systèmes de sécurité, il peut rien faire d'autre que se couper complètement. Chacun son avis, hein. Très bien, on retourne au centre de contrôle. Maintenant que Zarpeding est morte, on va pouvoir rebooter le laser à distance depuis là-bas. Ok. Pourquoi pas? On a tué la vilaine, on s'apprête à sauver la ville, et apparemment, l'arche, il y a tout un tas de super trucs extraterrestres est déjà ouverte. Coupe le laser, et on pourra passer aux choses sérieuses. Trouver l'arche. Je t'en prie, à toi l'honneur. Séquence de reboot activée. Réinitialisation du contrôle. Reboot dans... 5, 4, 3... 2. Extinction annulée. Configuration énergétique non valide. Ah, super. Quoi encore? Jack, je suis désolé. Pas moi. Attention, anomalie détectée. Waouh! C'est quoi ce bordel? Au travail, tout le monde. Mais Moxie, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je te trahis et je te tire dessus. Deux choses que j'aurais déjà dû faire il y a... Attendez. Mais revoici, désolé pour cette petite ellipse. Bien longtemps. Espèce de psychopathe assoiffé de pouvoir. Comment ça, Moxie? Mais comment t'as pu... Je t'ai bien observé, Jack. Et derrière ce sourire, ce complexe du héros, il y a un truc qui cloche chez toi. Si tu quittes Helios en vie, beaucoup de gens bien finiront par le regretter un jour. Non, 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 non! Mais merde, je te fais confiance, Moxie! Tu sais ce que tu viens de faire! Tu nous as tous condamnés à mort! Ok. Trésor.
que j'aurais pu faire avec ça? Oh, saleté de menteur! Saleté de lâche! Ils valent pas mieux que des bandits! Ouais. Une bonne chose de faite. Une maison divisée. Ouais, tu peux le dire. Plus tard. Attendez deux secondes. On change de bouclier. On se vengera de plus tard. Mais pour l'instant, il faut qu'on atteigne cette arche avant eux. Ces crétins veulent probablement détruire tout ce qu'elle contient. Zarpedon a parlé d'un amas de crasse chimique. Elle voulait peut-être parler de l'ancienne raffinerie de Dahl à Bakaburk. Retourne sur la surface de la Lune et va voir. Il y aura bien un truc là-bas qui nous mettra sur la piste de l'arche. Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime. Et surtout, abonnez à la chaîne. C'était TheStead pour HTML HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.